amis, j'ai reçu énormément de messages par rapport à ma prise de masse, par rapport à la photo que j'ai postée de mon avant-après. Ça a fait réagir énormément de personnes et sur toutes les plateformes. Hein. J'en ai vu mais vraiment énormément. En tout cas, merci vraiment beaucoup pour toute la force que vous m'avez donnée, pour tous les beaux messages que vous m'avez écrits. Bon, après, c'est sûr qu'il y a une toute petite communauté qui est contre, qui n'est pas d'accord. Bon, on va pas changer cette mentalité. Hein. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu seras toujours en tort. J'ai vu aussi certains coachs, après je dis pas tous, hein. Il y en a beaucoup qui m'ont félicité, qui m'ont dit que c'était bien, que voilà. J'ai vu aussi certains coachs qui eux-mêmes d'ailleurs ont besoin de coachs, qui n'ont pas le physique adéquat pour pouvoir me critiquer. J'ai vu des gens qui disaient que, je sais pas, c'était pas normal, que mon physique, non. De toute façon, bientôt je ferai une interview. Il y a une interview qui va arriver dans pas longtemps avec Rob. Et comme ça, vous aurez toutes les informations possibles et nécessaires pour vous pouvoir encore plus critiquer. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui ont... Après, ça reste une minorité. Hein. On va en parler une bonne fois pour toutes. Après, on n'en parlera plus. Il y aura toujours des gens qui vont aller à l'encontre de ce que vous faites, de ce que vous dites. Quoi qu'il se passe, tu dis t'as pris 1 kilo, non. Tu dis t'en as pris 30, non. 50, non. Ils sont pas contents. Mais avant de pouvoir critiquer ou de pouvoir dire que c'est possible ou pas, essayez. Faites au moins la moitié du quart des entraînements que je fais. Vous vous rendez pas compte que ça demande du temps, ça demande des sacrifices. Combien de fois j'ai voulu baisser les bras, combien de fois je me suis dit, vas-y, ça sert à rien tout ça, j'en ai marre. Mais vous vous rendez pas compte, vous voyez que ce que vous avez envie de voir. Dans tous les cas, tout ça pour vous dire que, comme je vous dis, ça reste vraiment une minorité. Hein, mais je tenais à le dire quand même, parce qu'il faut le dire de temps en temps. Il faut vraiment en parler de temps en temps. Tout ça pour vous dire que ces gens en plus qui n'ont même pas, comme je le dis, le physique pour pouvoir me critiquer, c'est fais mieux que moi et tu peux parler. Fais plus esthétique que moi, tu pourras parler. T'as des mecs qui critiquent, tu les regardes, ils sont pires que mon corps que j'avais avant ma transformation. Mais de toute manière, bientôt, je posterai énormément, énormément de contenu, c'est-à-dire des vidéos au sport, des photos, bien évidemment, torse nu pour que vous pouvez voir enfin la finalité de la chose. Là, je suis en période de sèche, d'accord? C'est-à-dire que là, je suis en train de sécher. Et pour moi, je pense que c'est jamais terminé. Dans le sport, de ce que j'ai appris, c'est que on n'en apprend jamais assez, on n'en sait jamais assez et c'est jamais réellement terminé. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Ça veut dire qu'à partir de là, que ce soit une transformation ou pas, elle se terminera jamais. Il y a des transformations, c'est comme Dragon Ball Z. T'as le Super Saiyan 1, 2, 3, 4, et t'as voilà les trucs. Et voilà. Et n'est pas Broly qui veut, bien évidemment. Mais voilà, tu vois, pour vous dire que franchement, j'ai découvert un monde que je ne pensais pas apprécier et kiffer autant. Mais je ne savais pas non plus que dans ce milieu, c'est encore pire que les autres milieux, c'est pire que les gossips. C'est vraiment celui-là qui critiquera le plus l'autre. Alhamdoulilah, je suis pas dans ça, moi. Et pour finir, je vous souhaite vraiment à tous d'atteindre vos objectifs. Je vous souhaite de réaliser vos rêves pour certains, si c'est des rêves pour vous. Je vous souhaite vraiment de pouvoir aller au plus profond de vous-même pour ressortir la force que vous avez parce que la plupart. C'est pas physique, hein. La plupart du temps, c'est pas physique, c'est mental. Et voilà, j'aimerais que je pourrais même pas vous expliquer ce que j'ai vécu pendant cette période parce que c'est inexplicable, ça se vit vraiment. Et c'est vraiment un travail acharné physique, mais surtout mental. Mais bref, à côté de tout ça, j'espère vraiment que pour toutes les personnes qui ont des objectifs, que ce soit dans le sport ou dans autre chose, je vous souhaite de ne pas lâcher et de n'écouter personne, n'écoutez que vous. N'écoutez pas cette petite voix qui peut arriver de temps en temps qui te dit ouais, tu en es incapable. Ou les gens qui sont là affalés sur leur canapé à se goinfrer, à te dire ouais, mais ça sert à rien, pourquoi tu vas au sport, ça sert à rien, c'est pas la vie, tu perds ton temps. Faites ce que vous avez envie de faire. Et si vous vous sentez bien dans votre corps comme ça, c'est le principal. Et bien évidemment, j'en suis pas arrivé là tout seul. J'ai eu besoin de personne pour me pousser. Bien évidemment, ça c'est clair et net, je ne vais pas le cacher. Et surtout, j'ai travaillé avec énormément de coachs. Ça veut dire que j'ai eu le temps de pouvoir bosser avec énormément de coachs. Et j'ai enfin réussi à trouver quelqu'un, comme je vous l'ai déjà dit, avec qui je m'entendais le mieux, avec qui cette personne, on s'est compris. Et j'ai vu que c'était une personne qui pouvait me faire dépasser mes limites. C'est une personne qui pouvait me faire dépasser des caps que moi-même, je n'aurais pas pu imaginer dépasser. Tout ça viendra avec le temps, c'est-à-dire très très bientôt, parce que là, ça y est, la machine elle est enclenchée, on va tout envoyer, on va envoyer la sauce. Soyez juste prêts, soyez connectés, il va pas falloir dormir.